est Ripley. Amanda Ripley. J'ai besoin de votre aide. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un va vous recevoir très rapidement. Pas étonnant que Simpson soit en perte de vitesse. Très rapidement se sentir dépassé. Chez Simpson, nous gardons toujours en tête que notre principal objectif est une communication claire qui rapproche les gens où qu'ils se trouvent. C'est pourquoi toutes nos communications sont gérées par l'intelligence artificielle Apollo, qui centralise toutes les requêtes de sorte que vos messages ne se perdent jamais. Dans notre vision d'ensemble, chaque détail a son importance. Puis-je vous aider ? Je dois aller au contrôle des communications, c'est urgent. Il s'agit d'une zone interdite. C'est important ! Vous voyez pas ce qui se passe ? Apollo contrôle la situation. Votre enregistrement est presque terminé. Laissez tomber. Je me trouverai un chemin. Je vous le déconseille. C'est une sorte de détecteur. Il a été trafiqué. Y a-t-il un problème ? Non, aucun problème. Je suis en route pour le centre de communication Simpson. Je ne t'ai pas réveillé parce que je savais que tu essaierais de m'arrêter. J'espère que tu comprendras, c'est notre meilleure chance. Quelqu'un doit rétablir les communications. Il faut qu'on fasse en sorte que le gouvernement sache ce qui se passe. T'inquiète pas, je vais revenir. J'ai pas l'intention de laisser tomber le territoire. Pénétrer actuellement dans une zone interdite. Faites demi-tour.
Laissez-moi passer. Je dois contacter mon vaisseau. Navré, je ne peux pas vous laisser faire. Ripley, Amanda, vous êtes désormais connectés à Apollo. Il y a forcément un autre chemin. Écoutez-moi, il faut absolument que je rétablisse les communications longue portée. Vous montrez des signes d'hystérie. Reculez, je vous préviens. Allons, trouvons une solution à la diable. Allez. Centrale de communication. Accès réservé aux employés de Sixon.
suis Diane Verlaine, capitaine du Torrens. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de la Weyland Yutani. Vous détenez la boîte noire du Nostromo. Nous demandons l'autorisation de son transfert immédiat. À vous. Ici Verlaine du Torrens. C'était quoi ce bordel? Sébastopol? Est-ce qu'un membre de notre équipe de VA est parvenu à bord? Répondez, s'il vous plaît. L'explosion nous a causé des dégâts. Nous sortons de l'espace de Sébastopol. Nos systèmes seront HS pendant les réparations. Je ne peux rien avancer pour l'instant. Ici Waits, capitaine de la colonie à Sébastopol. La situation est grave. Nos communications non locales sont HS. Vous devez envoyer un message d'urgence de notre part. Vous me recevez? Je répète, toutes nos communications à distance sont HS. Et nous avons besoin d'aide. Restez en arrière et envoyez des secours. Communication extérieure désactivée sur ordre d'Apollo. Poste hors ligne. Toutes les communications en cours sont suspendues. Oh, super, il manquait plus que ça. Les communications internes sont ouvertes sur certaines fréquences. Il doit y avoir un moyen de contacter quelqu'un de la station. Allô? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide.
Sébastopol, ici Nina Taylor, administratrice exécutive pour Wayland Yutani. J'accuse réception de votre transmission. Je fais partie d'une équipe chargée de récupérer la boîte noire du Nostromo. Cette boîte noire que vous détenez est d'une importance capitale pour Wayland Yutani. Sous les accords d'entreprise qui nous lient, nous vous rappelons qu'il vous est interdit d'essayer de lire son contenu ni de révéler sa présence à un tiers. Nous serons bientôt là. Message privé à l'attention du Marshal Waits à suivre. Samuels, vous êtes vivant. Ici Ripley. Ripley, quelle heure c'est Ripley? On s'inquiétait. On pensait. J'en suis sorti. Où êtes-vous? Nous sommes actuellement dans une gare de transit, à côté du centre de soins. Entendu. Samuels, écoutez-moi. Vous êtes pas à l'abri ici. Cet endroit a été barricadé par Sixon. Leurs putains d'androïdes sont en train de faire un massacre. C'est impossible. C'est contraire à toute la programmation de synthétique primaire. Messieurs Samuels, je suppose que Sixon a une conception différente des synthétiques. Et il y a autre chose. Une créature énorme et meurtrière. Ripley, calmez-vous. Quelle créature? Une forme de vie, une espèce inconnue. Une sorte d'organisme alien. C'est extrêmement dangereux. Taylor est... Ripley, Taylor est blessée. Elle a été frappée par des débris lors de la traversée. Quel est son état? Je ne peux pas la déplacer. Il me faut du matériel de soins. Il faut absolument qu'on nettoie et qu'on soigne les blessures. Torrance? La radio vient de nous lâcher. Impossible de contacter Verlaine. On est tout seul. Oh merde. D'accord. J'arrive. Je vais vous envoyer une voiture de transit. Thank you.
Cette station dessert Sixon Communication Technologie, Sixon Synthétique.